Pas le gouverneur et tous les gens de ce pays, ils préfèrent le dire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne marche pas même. Mais comment vous avez su ça? Vous êtes vraiment informé. Hein? Écoutez, il y a une réalité qu'on doit admettre et qu'on le veut ou pas. Dans Daniel chapitre 2, la Bible déclare que le règne du Très-Haut, le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il donne le trône à qui il le veut. Maintenant, les gouvernants, et j'avais écrit dans une brochure que j'ai mis dans le document que j'ai envoyé à la présidence, dont le titre était « La bonne gouvernance face à la révolte ». Dans ce document-là, j'ai expliqué, c'est à l'issue du printemps arabe, j'avais expliqué que tout gouvernement qui néglige les pauvres, les orphelins hauts de là-bas, et l'injustice particulièrement, attirera sur lui, tôt ou tard, la fougue des peuples. Et j'ai parlé donc du concept de l'autorité selon la Bible et ce que les populations devraient faire. Dans ces choses-là, et puis j'ai donné un avertissement au président de la République qu'au lieu d'avoir des conseillers tout autour de lui qui pourraient lui dire tout simplement ce qu'ils veulent entendre, puisque la réalité est que très souvent il n'est même pas au courant de ce qui se passe dans le bas peuple. Il n'a qu'à voir les routes de Douala et on va toujours lui dire que tout va bien. Et donc, vous voyez, effectivement, j'ai dit, au lieu de le faire, il faut chercher les serviteurs de Dieu qui vont lui dire quelle est la direction de Dieu. Parce qu'on ne peut pas, on ne dit pas seulement que le Cameroun va émerger en 2035 sans connaître l'avenir. Personne ne maîtrise l'avenir. Ouais, c'est la nation. Voici la CAN, le chantier de la CAN. Et remarquez bien tout ce qui se passe tout autour de la CAN et qui risque, le Cameroun risque de perdre ses chantiers. Alors, donc, j'ai dit, écrit dans cette brochure, c'est que le président de la République doit faire pour pouvoir mettre les chantiers, pour réorganiser tout son entourage afin de laisser ses Cameroun prospère tel qu'il a toujours souhaité. Je veux que la gouverne des auditeurs, je veux que vous compreniez qu'il y aura changement de gouvernement. Non seulement changement de gouvernement, mais changement de l'appareil étatique. La forme du Cameroun que vous voyez va changer, mais pas de division. Oui, mais le président de la République peut rester président et il y a changement de gouvernement. Oui, en principe, dans la logique des choses, on voit que tout est lui et acquis. Mais il n'en demeure pas moins sur le plan spirituel. Si on ne voulait dire que sur le plan spirituel, c'est Dieu qui gouverne. Alors, et c'est justement comme il parlait tout à l'heure là de l'histoire de Pharaon et de Joseph, de Joshua. Vous remarquez qu'avec Pharaon, Pharaon avait tout pour réussir, écraser les Juifs. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu intervient. Donc le Seigneur a laissé ceci, justement, qu'il s'entête à se présenter pour l'humilier. Donc en réalité, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Il va perdre les élections. Non, je ne sais pas ce que j'en ai dit. Ah, d'accord. Vous savez, il y a plusieurs façons par rapport à ces élections-ci. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs scénarios. Mais je me garde de dire, mais tout ce qu'il peut dire à l'issue de ceci, c'est qu'il y aura changement. Vous voyez, en réalité, il peut bien gagner les élections. J'en ai dit quelque chose là-dedans. Il peut bien gagner les élections, mais le Seigneur ne lui permet pas d'accéder au trône pour longtemps. Avec la chronique sport avec Karim Baldé. Bonsoir Karim. Bonsoir Dominique. Alors on va ouvrir cette page sport qui sera largement consacrée à ce coup de tonnerre dans le football africain. Et oui Dominique, le Cameroun se voit retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Incroyable mais vrai, mais à 6 mois et demi de la compétition, il n'y a plus de pays hôte. L'incertitude est maintenant totale. Tout s'est joué ce vendredi lors de la réunion du comité exécutif de la CAF, la Confédération Africaine de Football. Retour sur une journée mouvementé à Accra avec notre envoyé spécial Lise Loretia. Depuis hier à Accra, c'était une rumeur, mais ce matin, surprise, lorsqu'à 10h30, une chaîne marocaine nous apprend le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, une information reprise par plusieurs médias et dans les réseaux sociaux. Et à 17h43, heure locale, le président Ahmed a confirmé ce retrait en invoquant les conditions d'organisation. Nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 de Cameroun. Mais devant ça, la Confédération africaine prend un engagement de soutenir le Cameroun, de donner du temps au Cameroun pour qu'il puisse bien préparer une CAN.
D'après nos informations, ce serait la CAN 2021 qui serait confiée au Cameroun au détriment de la Côte d'Ivoire qui organiserait celle de 2023. Mais dans l'ensemble, le président Ahmed est resté un peu évasif. Qui pour remplacer le Cameroun? Alors on a beaucoup parlé de l'Égypte, de l'Afrique du Sud et du Maroc. Le président nous a annoncé que tout serait confié à un cabinet qui se prononcerait avant la fin du mois de décembre. Sur le maintien ou non de la qualification du Cameroun en tant que pays organisateur, pour l'instant, pas de réponse, mais il y aurait très prochainement des réajustements. Du côté du Cameroun, pas de réaction ici à Accra, notamment du côté des représentants du ministère des Sports, du côté également du comité d'organisation. Pour l'instant, tout laisse à penser que l'on s'achemine entre le Cameroun et la CAF vers un long feuilleton judiciaire. Bon, Karim, il faut dire que c'est vraiment un camouflet hein, pour le Cameroun. Apparemment, on ne s'y attendait pas forcément. On ne s'y attendait pas forcément, surtout que le président Paul Biya en personne en avait fait une promesse de campagne avant sa réélection en octobre dernier. On pensait que les efforts de dernière minute allaient suffire pour voir le Cameroun organiser à temps la CAN 2019. Il n'en est rien. C'était une course contre la montre pour la construction des stades notamment, surtout depuis l'extension de la compétition de 16 à 24 équipes décidée en cours de route. Ça avait été décidé par la CAF à l'été 2017. Grande déception forcément au Cameroun, dans un pays qui attendait d'organiser cette compétition depuis maintenant 32 ans. À Yaoundé, on est plutôt partagé entre désillusion et bonne nouvelle. Vous allez le comprendre en entendant ces réactions recueillies par notre correspondant Marcel Amoko. La fierté camerounaise, vraiment, elle a été piétinée. Parce que c'était le désir de tout Camerounais de voir que cette CAN est organisée au pays, au moins. Notre génération, nous, on voulait vraiment vivre cette CAN ici au Cameroun, c'était un rêve. Les stades qu'on a fait à Limbé, quel match pourra se jouer à Limbé? Il y a la guerre là-bas. Donc, ça ne me surprend pas. Et je trouve que c'est une bonne chose même qu'elle n'ait pas lieu. Parce que ça, c'est une honte pour nous, là, nous les citoyens camerounais. Il faudrait quand même que les étrangers viennent au Cameroun et qu'ils soient quand même fiers qu'ils sont venus dans une ancienne nation de football. Voilà, bon, il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui et elle vient des femmes footballeuses. Les Lyonnes Indomptables verront le mondial en France l'été prochain. Elles ont décroché ce soir le dernier ticket continental. C'était le principal enjeu du match pour la troisième place de la CAN féminine. Victoire camerounaise 4-2 face au Mali au terme d'une petite finale spectaculaire du côté de Cape Coast. Une consolation pour cette équipe qui visait le trophée après avoir atteint la finale de la compétition à domicile il y a 2 ans. Bon, et donc c'est demain justement qu'on va savoir qui remporte ce trophée. Nigeria ou Afrique du Sud? Réponse demain du côté d'Accra. Les Banyana, pas facile à dire, s'étaient imposés 1-0 en poule face aux Super Falcons. Ces dernières sont prévenues à l'image de leur gardienne de but. On l'écoute ainsi que la sélectionneuse de l'Afrique du Sud. Réaction recueillie par Antoine Galindo, notre correspondant. On n'a pas été bonne au marquage, c'est pour cela que l'Afrique du Sud avait pris le dessus. Nous avons corrigé ça et demain nous ne laisseront pas autant d'espace. Notre défense a beaucoup travaillé pour bien couper les transmissions entre le milieu de terrain et leurs attaquantes. Nous avons montré durant le tournoi que nous sommes capables de jouer notre football et être fidèles à nos valeurs. Mais nous avons aussi montré que nous savons obtenir un résultat. Ça ne sera pas forcément un beau match demain, mais si nous exécutons bien notre plan, nous obtiendrons la victoire. Et voilà, on saura ça demain et on verra ça avec vous, Karim. Merci à vous. De rien.